Bible dit tout est possible à celui qui croit. The Bible says everything is possible to whom that believe. Qui es-tu dans ce corps? Who are you in this body? Tu es qui? Who are you? Qui es-tu? Who are you in this body? Speak is a command. Bon, comment voulez-vous qu'une telle femme, how do you want a woman like this, soit bien dans sa relation ou dans ses relations? Be very good in a relationship. Parce que ici là, here, il y a un homme. There's a man. Il y en a un. Un homme fort. A strong man. Un homme spirituel. A spiritual man. Un esprit très méchant. A very evil spirit. Qui se présente comme son mari. That presents himself like a husband. Maintenant, mets le micro. Tu es qui? Now put the microphone. Who are you? Qui es-tu ici dans ce corps? Who are you in this body? Tu nous fais des incantations ici. Tu es qui? You are doing incantations here. Who are you? Tu es qui? Hein? Hein? Tu es qui? Tu restes là. Arrête de bouger son corps. Tu es qui? Stop moving your body. Pourquoi je veux savoir? Why do you want to know? Parce que je t'ai arrêté. Tu es arrêté. Je garde toutes ces affaires, ça marche pas. Tu gardes toutes ces affaires? Ah oui. She destroyed all ces the business. Ces conteneurs. Oui. Tu as tout gâché. Containers. Elle fait plein de conteneurs. Elle fait plein de conteneurs, mais pas l'argent. You have a lot of containers. You don't see the money. C'est toi qui fais ça. Oui. You are the one doing that. Elle est à moi. Elle est à toi. Oui. Qui est toi? Quel est ton nom? Who's your name? Hein? What's your name? Elle est à moi. Quel est ton nom? C'est mon sang. C'est ton What sang. Is your name? Oui. C'est ton sang. Oui. C'est aussi ta chair. Oui. Alors, qui es-tu alors? Who are you? C'est toi l'homme fort. Oui. The strong man. Uh-huh. Comment tu t'appelles, l'homme fort? Bienvenue, Paraiso. Bienvenue, Paraiso. Taufik. J'ai brisé ce mariage. I break her marriage. Elle a un bébé avec moi. She have a baby with me. Mais toi, J.P. Makenzo, c'est depuis le Bénin que tu l'as sauvé. Toi, J.P. Donc toi, tu es à Bénin. You are in Benin. Je suis béninois. Ah, tu es béninois. Oui. De mon béninois. Ok, les béninois. Faut prier Dieu que j'arrive chez vous là-bas. C'est oh, la toi. Grâce est arrivée au Bénin. Ah. La grâce est arrivée au Bénin. C'est toi. Non, c'est Jésus. Toi qui veux restaurer sa vie. Tout le temps, elle te voit. Parce que je suis envoyé pour elle. Tout le temps, elle te voit. Uh-huh. Je n'aime pas ça. Tu n'aimes pas ça. Oui. Moi aussi, je n'aime pas ta présence. Au nom de Jésus. C'est ça. Je te déteste. I hate you. With passion. Pourquoi elle doit être milliardaire? Il faut que je mange. Tu veux manger quoi? Why she have to be a billionaire? C'est ma fille. C'est ta fille. Elle est riche. Elle est multimilliardaire, mais je prends tout. She's a multimillionaire, je vole tout. Je vais voler tout. À cause de toi, elle a récupéré dans les rêves. Because of elle you, a récupéré les conteneurs. Elle a récupéré ses conteneurs. Mais je ne la laisse pas. I don't je ne la laisse her. Pas. Elle souffre. She's suffering. Je détruis ses mariages. I destroy her marriage. C'est moi. It's me. Donc pas un mariage, mais plusieurs. Not one marriage, many marriages. Combien tu as détruit? C'est moi, trois. Tu as détruit ton mariage? Oui. Tu es jaloux? Et j'ai détruit la vie de tous ses frères. Tu as détruit la vie de tous ses frères? De ma première femme qui est décédée. C'est toi qui l'as tué aussi? Oui. Et tu habites où maintenant? Where do you live? Je suis au Bénin. Mais tu parles ici pourquoi? Je suis au Bénin. You are in Benin. Why you speak pourquoi here? Tu parles dans ce corps? Non, je ne suis pas ici. Jamais je suis l'homme fort. Je suis Paraiso. Oui. Paraiso. Tu sais qui je suis toi? Oui. Je suis un prince. Un prince. Chez moi, il y a les fétiches et serpents. Aïe! Aïe! Laissez la machine. Let her go. Laissez-la montrer sa nature. Let her show her nature. The nature of snake. Les serpents cherchent où se cacher. Elle veut se cacher. Il n'y a pas de cachette dans la présence de Dieu. Regardez les serpents là où il va. Est-ce que quelqu'un qui est normal peut marcher comme ça? Somebody that is normal can work. Vous avez vu comment il a trouvé les trous là-bas? J'ai mis le bouton.
J'ai mis le bouton sur le front de sa sœur. Une belle femme comme ça. J'ai mis le bouton sur le front de sa sœur. J'ai enlevé ses trompes. J'ai enlevé les trompes de sa sœur. Remove the trump. J'ai mangé. Fallopian of a sister. J'ai tué mon fils aîné. J'ai tué mon fils. Ta sœur est où? J'ai tué mon fils. Elle est où? Matenzo, tu me laisses. Qu'elle vienne, sa sœur. Tu me laisses. Sa sœur vient. Elle est à moi. C'est ma fille. C'est son propre père. C'est ma fille. Oh. Son propre papa. Oh. Sa sœur vient. Amenez sa sœur. C'est ma femme. Aucun homme n'a le droit. Donc on doit aller au Bénin. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? La grâce est arrivée au Bénin. Dieu s'en est souvenu. Maintenant regardez. Une famille attristée. Look, a family that is very sad. Détruite. Destroyed. C'est moi, paraïso. Ok. C'est ma femme chérie. Ça y est, c'est fait maintenant. On te connaît. Non, tu me connais pas. Je te connais pas. Je n'ai même pas besoin de te connaître. Parce que je vais te chasser tout de suite. I will cast you out now in Jesus. Tu vas mourir deux fois. You will die two times. Elle n'aura pas cette engeance, c'est moi qui te dis. Tu vas mourir deux fois. Elle ne chargera pas ce contenu. Tu vas mourir deux fois. You will die two times. Vous entendez ce que j'ai dit? Il va mourir combien de fois? You will die two times. Regardez maintenant. Watch this. Regardez la puissance de l'évangile. See the power of the gospel. Nous parlons de la puissance de l'évangile. We are talking about the power of the gospel. My father, mon père, in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. In the powerful name of Jesus Christ. Esprit paraíso. You spirit of paraíso. Quel que soit ton nom. It doesn't matter your name. Que tu nous mentes ou non. Whether you lie or not. Ce que je sais. What I know. C'est que tu es là dans le corps. I mean you are here in this body. Et je suis envoyé. And I'm sent. Pour te déloger. To uproot you out of this body. Car ce corps. In this body. Est le temple. Is the temple. Du Saint-Esprit. Of the Holy Spirit. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. A décidé. Have decided. De récupérer son temple. Au nom de Jésus. To get back his temple. Que le feu du Saint-Esprit the fire of the Holy Spirit commence à consumer ces esprits. To consume the spirit. Maintenant. Now. Maintenant. 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 Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Ne reviens plus dans ce corps. Don't come back in this body anymore. Je t'envoie dans l'abîme. I sent you into the deep. Tu meurs deux fois, doublement. You die two times, double. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un acclame le Seigneur. Clap your hands to Jesus. Lève-toi. Fessia, tu vas où? Reviens. Reste là. Reviens. Viens. Toi, tu fais des affaires. Tu fais des affaires. Tu es qui? Comment tu t'appelles? What's your name? C'est quoi ça? Tu sais quoi? What is this? Tu fais quoi? What do you do? Tu fais quoi dans la vie? Je fais le contenir. Je suis femme d'affaires. Tu es femme d'affaires. She's a business woman. Je fais les affaires. J'envoie les conteneurs au Bénin. Au Bénin. Oui. She bring containers. Tu gagnes bien ta vie. Je vois rien. Tu vois rien. Non. Ok, ma fille, comment tu t'appelles? My daughter, what's your name? Paraíso Viviane. Toi, comment tu t'appelles? Paraíso Viviane. Toi aussi, Paraíso. Oui. Votre père est où? Il est au Bénin. Father? Il est au Bénin. Il fait quoi, votre père? What did your father do? Il est à la retraite. À la retraite. Oui. He's in retreat.
j'encaisse mon frein depuis, ça fait 4 ans, 6 ans. J'ai été opérée de fibrome et je ne sais même pas tellement. J'avais mal après mes deux enfants d'accouchement. C'est le fibrome, je ne pouvais plus respirer. J'étais obligée d'aller faire la totale parce que je ne pouvais plus respirer. Est-ce que vous étiez bien avec votre papa? Were you good with your father? Vous vivez bien, en bon terme? Notre maman est morte, j'avais 7 ans, je lui ai tout donné, je l'ai amené en France ici, deux fois je lui ai acheté la voiture, je lui ai tout donné. Tu lui as tout donné? Oui. On lui a envoyé toujours l'argent, on ne sait même pas, je suis trop choquée. Mon petit frère est mort dernièrement. Ok. Calmons-nous. Let us get calm. Le professeur va nous enseigner. Calmons-nous. Let's get calm. On va trouver une solution. We find a solution. C'est difficile, hein? Est-ce que votre papa voyait des marabouts? Oui. Il était marabout lui-même? Non. Il voyait des marabouts? Oui. Il consultait les marabouts? Your father was consulting marabouts. Il ne croit pas en Jésus-Christ. Il est musulman. Ton papa est musulman. Oui. Ils sont musulmans. Vous êtes des musulmans. Oui. Jesus Christ. Et à sa fin, c'est après la mort de mon petit frère, mon cadet. Mm. C'est là où Jésus nous a appelés. On a commencé à dire qu'on ne peut plus, on veut plus faire la prière. On a commencé Viens. À prendre Viens vers Jésus. Moi. Donc on a commencé. Ton père moi. Est malade. Je le vois malade. Oui. Je vois ton père malade. Oh my God, ça c'est l'esprit de la prophétie. My God, la puissance de l'évangile. Et ton père, your father, est en train de mourir parce que cette maladie qu'il a, because this sickness that he have, c'est grave. It's very bad. Et je le vois en train de marcher difficilement. Il marche pas. Oh, my God, el professeur prophétise, enseigne les élèves. Quelle grâce accordée aux enfants de Dieu. My God. Tarabasata. Dieu accorde une dernière chance à votre papa. God is granting a last grace chance to your father. Donc c'est à vous de lui annoncer cette bonne nouvelle. It is to you to announce the good news. Et il faut lui dire, papa, Jésus a besoin de toi. Tell him that papa, Jesus Christ needs you. Et Jésus veut te guérir maintenant And même. Jesus wants to heal you now. Donne ton cœur à oh Jésus. Oh my God, give your heart to Jesus Christ. C'est la dernière chance. Quelle grâce, my God. Autrement, it is the last chance. Les jours sont petits. Otherwise, the days are numbered. Glory to God. La grâce est arrivée. Les jours qui lui restent à vivre. The days that remain for him to live. Tellement petits. It is so few. Merci pour la prophétie. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Rakaya bashataranda. Ibraka satarata. Et je crains que nous sommes le combien là? We are on the 26. Hein? 26. Le 26. Yes. Donc je crains que ce mois-ci ne se termine pas. I am afraid that this month will not finish. On ne peut pas lui dire ça. Hein? On ne peut pas lui dire ça. Il ne va jamais accepter. Il va jamais. Faut lui dire quand même. Tu peux lui dire ça, toi? Moi, je peux lui Vas-y. Dire ça. Toi, dis-lui. Yes. Dis-lui. Alléluia. Il faut lui dire quand même. Tell him in Jesus' name. Il faut lui pardonner. Je lui pardonne. Il faut lui pardonner de tout cœur. Forgive him with all your heart. Il faut le faire. Il faut pardonner afin que tu te libères. Sinon, tu ne seras jamais libéré. Set yourself free. C'est le pardon qui libère. It is the forgiveness that sets free. Est-ce qu'on peut remercier l'esprit de prophétie? Dieu est en train de sauver cette famille. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Il vous a envoyé un message aujourd'hui pendant qu'on était là. Il vous a envoyé le message. Là, quand nous on est venu parce que nous on sort de Paris, enfin de Paris. Uh-huh. On est, moi je suis d'Amiens et elle est à Sens. Donc on est arrivé là et curieusement ça fait plusieurs semaines qu'on ne se parle même pas. Mais il nous a envoyé un message là qu'on était assis là dans la salle. Ça nous a surpris. Vous voyez ça? You see this? Oui. Dans le domaine spirituel. In the realm of the spirit. Il sait que vous êtes là. They know that you are here. Bon, il y a des choses que je ne veux pas dire parce que c'est la famille, alors il ne faut pas. There are things. Hay cosas que no puedo decir.
family, you know, comme c'est la famille, je ne peux pas dire beaucoup de choses. Sinon, c'est ce que nous avons entendu nous-mêmes. Amen. Donc, ce qu'on a entendu, c'est assez déjà. Moi, je ne vais pas dire. J'ai seulement détaillé ce que j'ai vu là. Ce qui n'est pas trop grave, hein, pour dire. What is not too bad to say. C'est très grave. C'est très grave. Regardez. Même nos enfants sont hypothéqués de la. Mais ce n'est pas que vous, c'est ce qui se passe en Afrique, ma fille. C'est la réalité de l'Afrique. L'Afrique, c'est ça. C'est ce que les gens ne disent pas. C'est un tabou, on ne le dit pas. L'Afrique, c'est ça. L'Africain tue l'Africain. Qui ne le sait pas? My God. Pourquoi on nous déteste? Why do you hate us? Parce que nous délivrons des personnes comme ça. Un musulman qui parle la langue maintenant, allez, parle la langue. Yes. La musulmane va parler en langue. Donc c'est fini, elle ne va plus mourir. Power. Oh, acclamez Jésus plus fort, plus fort. Écoutez-moi. Listen good. Écoutez-moi. Listen good. Ce n'est pas du théâtre. It is not a theater. Hein? Not at all, men of God. C'est de vies humaines. These are human life. It's true, men of God. Leur maman est morte. Their mother died. À cause de cet esprit-là. Because of this spirit. Leur maman est enterrée. The mother is buried. C'est ce que l'esprit-là a dit de sa bouche. Said. Elle a perdu ses trompes, je ne sais quoi là. She lose her. C'est cet esprit-là qui a fait ça. It is this spirit that caused it. Alors toi qui dis que c'est du théâtre, you that say it is a theater. Attention. Be careful. Autrement ces choses vont t'atteindre. Otherwise toi, these things will reach you. Vous ne savez pas que ce sont des esprits. They are the spirits. Quand vous parlez là, ils vous écoutent. They listen to you when you speak. Et ils aiment bien les ignorants. And they love ignorance. Donnez-moi l'huile. Give me oil. Ma fille, my daughter, j'ai été fait pour toi. I was made for you. Je souffre pour toi. I am suffering for you. Je suis attaqué jour et nuit pour vous. I am attacked day and night for you. Je libère cette fois. Carabosh! Elle a reçu sa délivrance. My God, thank you, Jesus Christ. Je répare tes trompes. Au nom de Jésus, I repair your fallopian. Carabosh! In the name of Jesus. Si mon Dieu peut rallonger une jambe courte, if my God can make a short leg to grow, il peut donner vie yes, à des trompes. Yes, oh yes, he can bring back the fallopian. Ma Jesus vie, name. Maintenant, tes conteneurs sont libérés. Au nom de Jésus, your container has been set free. Tu deviens mon partenaire financier de ce ministère. You became financial partner of this ministry. Tu entends ce que je dis? You hear what I say? Quelque chose quand j'étais au Bénin. Vous m'avez mis quelque chose dans la main. Dans le rêve. Oui. C'est ce que je t'ai donné là. Jesus power. La puissance de l'évangile. Oh my God. Vous connaîtrez la vérité. You will know the truth. Et cette vérité vous affranchira. Oh yes, man of God. And that truth will set you free. In Jesus' mighty name. Si vous ignorez ce qui se passe ici, if you are ignoring what is happening here, vous ignorez votre existence. You ignore your existence, my God. Vous ignorez votre réussite. You ignore your breakthrough. Vous ignorez votre succès. You ignore your success. Vous ignorez. And you are ignoring ce que Dieu a donné pour votre vie. What God have given for your well-being, for your life. Maintenant, now, donnez-moi deux bouteilles d'eau. Give me 2 bottles of water. Je suis dans le prophétique. Oh, I like that, man of God. I am in the prophetic. My father, ah, tu n'as pas acclamé. Est-ce que tu es là? Quelqu'un apprécie l'esprit de la prophétie. Père. Father. Padre. Prenez vos bouteilles. Take your bottle of water. La grâce est arrivée vers vous. Levez-vous là où vous êtes. Stand up where you are. Soulevez vos bouteilles d'eau. Lift up your bottle. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. Padre,
In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est déjà sur vos bouteilles, oh, sur yes, vos the verres d'eau, où que vous soyez. God is already on your bottle, on your cup of water, on your oil, every item that you have. Sur votre huile, sur tout ce que vous avez dans la main. Upon your oil, every item you have in your hands. Où que vous soyez. Wherever you are, la puissance de Dieu, the power of God, te visite. Is visiting you. Les visite. Receive it. Receive it now. Receive it in Jesus' name. Name of Jesus. Nom de Jésus. Surnaturel. Supernatural. Sobrenatural. Surnatural. Supernatural. La puissance de l'évangile. The power of the gospel. L'évangile de la croix. The gospel of the cross. La puissance de l'évangile. Power of the gospel. Il y en a qui sentent le feu dans leur corps. Some of you feel fire on il y en a your body. Sentent l'électricité dans leur corps. Some of you feel electricity in your body. Mais ne laisse pas tomber ta bouteille. Don't give up on your bottle. La puissance de Dieu va t'agiter encore. The power of God will shake you even more. Ne laisse pas tomber ta bouteille. But don't give up on your bottle. Où que tu sois, wherever you are, my father, mon père, au nom puissant de Jésus, in the mighty name of Jesus, your power car. Que ta puissance arrive au nom de Jésus. Your power. Ta puissance. 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 Power. Receive the grace. Receive the grace. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. L'onction vous traverse où que vous soyez. The anointing is going through you wherever you are. La puissance de Dieu. Je suis pour rien. I am for nothing. C'est la puissance de Dieu. It is the power of God. Où que vous soyez. Wherever you are. Quel que soit l'endroit où vous êtes, déposez-la par terre. Où que vous soyez, quel que soit l'endroit où vous êtes, la puissance de Dieu vous visite afin que tu saches qu'il n'y a point de Dieu comme Jésus de Nazareth, afin que tu saches que l'évangile de la croix n'est pas une histoire. Puissance de Dieu, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel. Take it! Receive it in Jesus, the most powerful name. Reçois le feu du Saint-Esprit. Receive the fire. 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 J'ai dit reçois le feu. They receive it. Où que tu sois. Wherever you are. Ton nom devient le feu. Aura become fire. Reçois le feu. Receive fire. Receive fire. Aura. Jesus name. Fire, Holy Ghost. Feu du Saint-Esprit. Ce feu consume tout seul pain. This fire consumes every qui snake. Qui se cache dans ton système. That is hiding in your system. Le seul pain. The snake. Qui se cache dans ton système. That is hiding in your system. Dans tes entrailles. In your womb. Dans tes entrailles. In your womb. Tout seul pain. Every snake. Soit consumé. Be consumed. Tout seul pain. Every snake. Soit consumé. Be consumed. Tout seul pain. Every snake. Soit consumé. Be consumed. Tout seul pain. Every snake. Soit consumé. Be consumed. J'ai dit tout seul pain. Every snake. Soit consumé. Be consumed. Dévoré. Be devoured. Be devoured. Jesus way. In Jesus name. Toute force du mal. Every power of evil. Il se cache. That is hiding in your womb, dans ton corps, in your body, dans ton système, in your system. Il soit dévoré, be devoured, 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 il soit dévoré, be devoured. Now, in Jesus' mighty name. Et pendant que tu vas boire ton eau, while you are drinking your water, quand tu bebas tu agua, choses vont sortir de ton corps. Things will come out of your body. Tu peux boire. You can drink. Ahora puedes beber. Thank you.
Votre vie change. Your life changes. Il y a des choses qui vont sortir dans ton corps de femme. There are things that will come out of your private. Quand tu vas aller faire tes besoins, when you go for your, il y a des choses qui vont sortir. The restroom, things will come out. Il y a des liquides qui vont sortir. There are liquids that will come out. Et tu dois vérifier des choses qui sortent. And you need to check things that are coming out. Père, je bénis cette famille. Father, I bless this family. J'enlève la malédiction. I remove curse. Aucun féticheur. No witch doctor. Aucun marabout. No marabout. Ne saura résister. Would be able to resist. À la puissance du vrai évangile. To the power of the real gospel. In Jesus' name. Celui qui a le vrai évangile, if you have the real gospel, ne tombe jamais sous les balles des sorciers. You cannot fall under the arrow of the witches. Impossible. It is not possible. Ma fille, comment tu te sens? Hein? Le ventre, ça me fait mal. Ça te fait mal. Mais on est en train de purifier, de remettre des trompes. Oh yes. Mon utérus et les trompes, ils ont tout enlevé. Hein? C'est mon utérus et les trompes, ils m'ont tout enlevé. Ils veulent tout enlever. Ils ont tout enlevé. Ils ont tout enlevé. Oui, les oh, mais moi, je te dis que moi, je suis. Mon Dieu est en train de remettre au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, regarde-moi. Now look at me. Tu as des douleurs encore? J'ai envie de faire pipi encore. Tu as envie de faire pipi? Cours. Run. Et après, regarde-moi, tu contrôles le pipi que tu vas faire. Va avec toi l'appareil, le téléphone. Si tu vois des choses bizarres sortir de ton pipi, tu filmes ça. Ok? Et tu prends des photos. Va faire pipi tout de suite. Ma fille, tu as vu quelque chose? Un peu comme l'huile. Comme l'huile. Oh. Hey, power! Un peu comme la lumière. Il faut que je mette peut-être la lumière. Il faut augmenter la lumière un peu. Alléluia. Je lui ai dit, quand tu veux aller te soulager, I tell her if you want to go to the restroom, le liquide sortira de ton corps. The liquid will come out of your body. C'est pas ce que j'ai dit. It is what I say. Cherchez l'évangile pur. Look after the pure gospel.